C'est donc la fin de l'examen national du brevet d'études du premier cycle session de juillet 2020 à Parakou. Durant 3 jours, les candidats ont été évalués pour l'obtention du précieux sésame. Dans le rang des candidats, on note de la satisfaction. Cette année, je pense que le BPC n'a pas été trop difficile parce que la plupart des épreuves, on en a fait à l'examen blanc, par exemple, l'épreuve de physique. Certains aussi, on les a déjà fait en classe. Je pense que ce n'est pas trop difficile. Et il y aurait mon BPC par la grâce de Dieu. Les épreuves étaient abordables. Ce n'était pas trop difficile. On a déjà tout vu en classe, tout ce qu'ils ont amené. Aujourd'hui, nous avons fait l'épreuve de mathématiques. Et l'épreuve n'était pas aussi abordable que les autres épreuves. Je serai admise pour le BPC 2020. Aucun incident n'a été signalé au cours de cet examen, hormis les cas d'absence enregistrés au centre de composition du Collège d'enseignement général Hubert Koutoukou-Maga dans le 2e arrondissement de Parakou. Les candidats étaient très tôt arrivés avant-hier, de même que les surveillants de salle. Tout a bien démarré, tout a évolué jusqu'à la fin. Et à l'heure là, vous entendez, ça vient de finir. Nous n'avons eu que 10 candidats absents, 7 garçons, 3 filles, et tout s'est bien passé. Les regards désormais tournés vers la proclamation des résultats. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.